Coucou à tous, c'est Crime. On se retrouve une nouvelle fois pour le let's play du Wonder Child Challenge. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de retrouver ma partie parce que j'ai pas pu malheureusement faire de vidéo ces derniers jours pour des raisons de santé, hein, parce que voilà, j'avais une petite bronchie, donc je toussais pas mal et je me suis dit que j'allais vous épargner ça par respect pour vos oreilles. Donc voilà, ça va mieux et du coup je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo. Donc on retrouve la famille, voilà, Céleste, John et Andrea. Donc j'ai jeté un petit coup d'œil juste avant de lancer cette vidéo. Je me suis rendu compte qu'il restait que 2 jours à Andrea pour finir toutes ses compétences. Donc il va falloir mettre un coup de boost parce que... Comment dire, on en est quand même loin, hein. Il me manque 2 points dans 4 catégories sur 5. Donc le but de la vidéo aujourd'hui, ça va être de donner un gros coup de boost sur l'apprentissage des compétences pour essayer de finir, enfin d'en compléter le plus possible avant le passage à l'âge enfant. Donc voilà, ça va être un peu le but de ce chapitre. Monter un maximum pour finir, pour essayer de valider le plus de points. Donc, déjà on va s'écouper des parents parce que je vois qu'ils n'ont pas la patate. Elle va manger un bout ma grande. Prendre une portion, après tu iras prendre une douche. Et Andrea, il en est où? Voilà, bah, il finit de dormir pendant que je m'occupe de ses parents. Et après, action, hein, parce que on n'a pas de temps à perdre. J'ai vraiment envie de valider le maximum de points pour ce stage-là. Voilà, le maximum de points pour ce stage-là. Toi, tu vas avoir fini en premier, donc tu vas y aller d'abord. Et... qu'est-ce qu'on va faire ? Eh ben on va, le mouvement c'est presque ça, on va bosser la communication. T'en es ouf. Allez hop, c'est l'heure de se lever. Tu dormiras plus tard. Hop hop hop, allez debout. Apprendre à parler. Voilà. C'est parti. T'en es ouf. Tu vas manger, prendre une douche. Alors j'ai pas mal, j'ai un petit peu d'argent de côté, donc je pourrais refaire la chambre d'Andrea. Mais comme il reste que 2 jours avant son passage à l'âge enfant, je préfère attendre et je referai un petit peu la déco quand, voilà, au prochain stage. Comme ça, ce sera peut-être plus adapté à une chambre de petit garçon qu'à une chambre de bambin. Puis j'ai pas envie de tout refaire dans 2 jours, hein. La déco c'est pas trop mon truc, c'est comme la construction, donc je veux bien le faire, mais je vais pas le refaire 15 fois, c'est pas trop mon délire. Donc, ça c'est bon, ça avance. Toi après tu vas aller peindre une toile, toile classique. Allez, on se booste là. Pourquoi il est pas content? Il en a marre. Ah bah oui, mais c'est le jeu, Lucette, hein. C'est le jeu. Tu veux être un Wonder Child ou tu veux pas être un Wonder Child? Voilà. Bon, un petit tour aux toilettes. C'est pas grave, ton père il va t'apprendre autre chose, hein, tu sais. Oulala. On est plein de ressources, hein. T'inquiète, t'en as des choses. Carte support visuel. Voilà. Allez, on se dépêche là. On va passer la journée sur le pot. Et que tu prennes au moins un point. Oh. Perd du temps, les amis, on perd du temps. Support de carte visuelle enseigné. Allez hop. On finisse. Je pense qu'on peut au moins valider sur la communication et le mouvement parce que le mouvement on est quasiment à 4 et là il manque pas grand chose non plus. Donc on va faire ces deux là déjà, ça fera déjà ça de valider. Et puis après on va essayer de finir les 2 autres. Je pense que ça va être un petit peu tendu mais je désespère pas. Ici, il a faim.
manger quand même. On va pas laisser mourir de faim cet enfant. Prendre une portion. Allez, dépêche-toi de manger quand même, hein, parce que on va pas y passer la nuit. Hop, vendre. Oh, pas mal. Allez, vas-y, continue. Tiens, bravo, toilette en attendant. Et plus de choix, nickel. Hop. Non, c'est pas ça que je veux. C'est trompé. Elle s'est trompée. Plus de choix, nickel. Enseigner le nom des animaux. Bon, attendez, où là? Tu n'as pas fini tes boulettes? J'adore les actions qui s'annulent. Il veut pas, c'est pas grave. Hein. Il me semble t'avoir déjà dit ça dans une autre vidéo. Hein. Tu n'as pas le choix, mon petit. Tu vas devenir un être suprême et suprêmement intelligent. Donc, c'est ta mère qui va prendre le relais après, parce que je pense que ton père a faim. Et toi, t'es en colère. Oui, bon, écoute, ça nous fait une belle jambe. Hein. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Qu'est-ce qu'il y a encore? T'en as marre des cartes. Non mais t'en as marre de tout quoi. Et les boulettes étaient pas bonnes, bah rien que ça. Alors, plus de choix, nickel. Plus de choix. Hop, tu veux plus les cartes, tu vas apprendre à parler. Allez, toi tu vas manger. Ah, je vous ai dit c'est intense, hein. Il se relaie. Le but. C'est les complétances, on y est presque. Voilà. Allez, un dernier effort. Un dernier effort pour valider tout ça. Papa, il va aller acheter. Enfin, il va aller vendre toutes ses plantes. Tout récolter, arroser. Et puis, il ira vendre le tableau aussi. Mais sinon ça t'apprend plus rien. Ah si, quand même. Il est content, c'est bien. Pourquoi t'arrêtes? Pourquoi tu arrêtes? Parce que je t'ai demandé d'arrêter. Voilà. Très bien. Allez, on tient le bon bout, on valide la communication. Après on valide les mouvements. Et on se garde les deux pour demain. Encore 2 jours, c'est bien. Hop. Qu'est-ce que t'as des choses à vendre? Oui. Putain. Hop. C'est beau la vie de Sims quand même. Tu plantes 3 graines, et tu te retrouves avec des milliers d'euros sur ton compte. Moi j'ai toujours voulu être un Sims, hein, Tu ramasses une fleur, ça te rapporte des sous. Tu casses un caillou, tu peux le vendre. Tu commences par donneur d'organes, tu finis chirurgien. Ouah. Franchement. Qu'est-ce qu'il y a? Il veut plus. Bon, bah alors regarde. Hop, on va s'amuser un petit peu. Apprendre à construire une tour. Voilà. Et niveau 4, c'est bien ça. C'est bien tout ça, mon petit, c'est bien. Je suis fière de toi. Faut pas s'arrêter en si bon chemin, par contre. Enfin, de toutes les façons, on a au moins 3 points dans chaque compétence, donc on est sûr d'avoir des points, on va forcément récupérer un trait. Maintenant, c'est vrai que si on pouvait récupérer le deuxième trait bonus, bah déjà, ça fera plus de points, et puis en plus... le trait bonus nous aide après dans l'apprentissage des compétences plus tard. Donc vraiment ça vaut le coup tout ça. Hop, papa. Faut pas s'arrêter hein. Jusqu'à ce que tu meurs de sommeil.
T'es pas content, mais c'est pas grave. Tant que je peux te faire avancer, on va y aller. Un petit tour aux toilettes et au dodo. Tu vas te réveiller parce que t'as faim. Mais c'est pas grave. Bon, on est pas mal. On est à 4,5 facile. Donc demain matin, en se levant, on finit. Et ça ferait une compétence de plus. Allez, Oli. Oh bah tu t'évanouis. Bon bah puisque tu t'évanouis, tu vas avoir le droit de manger. Non, ça t'a pas aimé. Tu n'as pas aimé du tout. Pas prendre une portion. À toi, qu'est-ce qui va pas? Bah écoute, prends une portion aussi, on va pas. Il y en a pour un, il y en a pour deux, hein. Hop, et après dodo. Bon, alors. C'est bon. Après, de toute façon, ouais, s'il faut quand même, je peux pas me permettre de le laisser grandir quand il veut, parce qu'il faut quand même que je souffle les bougies. Parce qu'il me semble qu'il y a des points à récupérer. En fait, il y a des points à récupérer quand on fait une fête d'anniversaire. Mais ceci dit, pour un bambin, j'ai jamais... Je sais pas si on peut faire une fête d'anniversaire pour un bambin. Donc il sera toujours temps d'aller voir ça après. Bah allez au lit. Hop, et toi, tu vas manger un bout. Ah bah attends, il y a toujours les haricots dehors, non? Ah bah ils sont périmés. Ils sont périmés. Hop, prendre une portion. Et au dodo. Allez, qu'on puisse commencer une nouvelle journée. Quoi? Oui, bah c'est le bazar, mais je ferai le ménage plus tard. Hein. Pour l'instant, l'important, c'est le petit. Hop. On va laisser dormir. Dès que ça ira mieux, nettoyer, nettoyer, aller aux toilettes. Je dirais faire un peu de ménage aussi. Par ici. Hop. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on finissait la communication. Allez hop, on fait finir. Apprendre à parler. Allez. Hop. Bah, tu vas y aller, on finit de débarrasser. Tu pourras aller aux toilettes. Il peut mettre des Sims au coin, d'accord. Enfin, le but c'est de rendre de bonne humeur Andrea pour qu'il apprenne vite, hein, pas de le mettre au coin pour se retrouver avec un moodlet négatif. Allez, on y est presque. Oh, pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi tu t'arrêtes? Fini là, tu y es presque. Ah, il va aux toilettes. On va y aller après. T'en es où? 83%, allez, finis-moi ça. Hop, 90. 14, 15. Allez, on y est presque. Voilà, bravo. Et une compétence terminée. Allez, va aux toilettes. Et on va faire la marche. Hop, toi tu vas cuisiner parce qu'il n'y a plus rien à manger. Allez, spaghetti. Et toi, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas venir manger aussi. Allons-y. À nous. On en est où? Voilà, un jour. Ça se rapproche, ça se rapproche.
pour vraiment finir les mouvements. Hop, allez, on se dépêche là. On se dépêche. Hop. Après, on va construire une tour. Franchement, je suis pas sûre qu'on va y arriver. Hein. À finir les 5 là, on va essayer de se dépêcher, mais c'est tendu. Puis après, on va voir si on peut faire une fête d'anniversaire pour Bambin. Je suis pas sûre, mais on va essayer. Déjà, on valide. Ça va être tendu. Ça partait bien, mais. Oh. Qu'est-ce qu'il fait? Puis il s'arrête tout le temps. Il m'énerve. Ok, il a faim. Mais le but, c'est pas de manger. Il a faim, il est sale. Bon. Alors, tu vas finir après. Hop. Toi, tu peux prendre aussi les spaghettis. Bon, allez. Ouais, ça suffit là, t'as assez mangé. Action. Ah, je me suis trompée. Bon, c'est pas grave, ça fera progresser aussi. Allez. On y croit. Bon, je crois que je vais être obligée de lui donner une douche quand même. Parce que sinon, je vais avoir du mal à avancer. Oh, puis il a encore sommeil, c'est pas possible. Parce qu'à dormir cet enfant. Allez, finis-moi au moins la tour. Et après je te laisse aller dormir. Allez. Valide-moi au moins la compétence mouvement. Et après, on en est où? Non! Je sais pas, sommeil, mais tu peux tenir encore un petit peu. Tant que tu t'évanouis pas, c'est que ça va. Oui, je sais. Alors, dit comme ça, on a l'impression que je suis un bourreau d'enfants. J'adore les enfants, hein, de base, c'est un peu mon métier IRL, mais voilà, dans la vraie vie, je leur fais pas faire des challenges Wonder Child, alors que dans le jeu, je suis là pour ça, donc. Donc oui, désolée, je suis un peu tortionnaire d'enfants dans mon jeu, c'est comme ça. Faut savoir pourquoi on est là, quand même, hein. C'est pas... On n'est pas là pour s'amuser, les gars. C'est bientôt l'anniversaire d'Andrea. Je sais. C'est même le jeu, il me met des coups de stress, quoi. C'est... Hop, un petit coup de pression. Allez, finis-moi ça, non! Allez, 88%, c'est bon, on va dormir, on verra ça demain matin. Bon, on va valider le mouvement, c'est sûr. On va peut-être pouvoir faire la réflexion, mais je pense que pour l'imagination, c'est mort. C'est dead, on va jamais y arriver. On peut pas... Je vais pas pouvoir pousser le temps jusqu'à... Donc, on va essayer quand même, hein, mais... Et je pense que c'est tendu. D'ailleurs, on va peut-être aller lui donner un petit bain... Avant qu'il dorme. Comme ça. Demain matin, on peut attaquer la journée. Sans se préoccuper de ça. Allez. Hop, super. Allez au lit. C'est bon, tu peux aller dormir. On en profite, ça le fait marcher un petit peu. Les parents. Hop, utiliser, prendre une douche, dormir. Et madame.
Ça va peut-être pas dormir, tiens. Ça se fait un petit coup de crac-crac. Ça va monter un peu tout ce qui va pas chez madame. Allez, viens ici. Utiliser. Toi aussi, tu vas prendre ta douche. Et un petit crac-crac. Hop. Ah oui, il est cassé. Bon, j'ai pas le temps de réparer. Oh, c'est cher quand même. Bon, tu te doucheras plus tard. Hein. Aïe. Tu doucheras demain matin. J'ai bien fait de laver Andrea ce soir. Très envie d'aller aux toilettes, cet enfant. Allez. C'est parti. Et surtout pas qu'il fasse dans sa... Enfin, s'il peut faire dans sa couche une fois, mais pas deux. Donc, éventuellement, s'il fait dans sa couche, c'est pas très très grave. Et toi, tu dors pas? Non, bah non, t'as pas sommeil. Allez. Oh, j'ai envie de lui faire aider la construction, hein, qu'il retourne dormir. Allez, c'est parti. Allez, on finit ça vite fait. Allez. Allez, allez. Voilà. Super. Tu peux aller dormir maintenant. On recommencera demain. Bon. Bon, bah, il reste les deux dernières. On va se finir la réflexion et puis on va croiser les doigts pour l'imagination. On va voir ce que ça donne. Pourquoi tu veux... Non, tu veux vraiment pas dormir. Bah écoute, va réparer, hein. Fais-toi plaisir, hein. Ouh, il y a plein de fleurs à s'occuper, là, dis-moi. T'auras assez dormi. Faire évoluer, arroser, pulvériser de l'anti-insecticide. Bon, t'en es où toi? Hop, allez, prendre une douche et dormir. Et en arrière, il en est où? Oui, déjà en se levant, il va manger. Espérons qu'il se lève pas trop tard. Alors, autant dans mes autres parties, je suis plutôt contente que les bambins dorment souvent parce que ça permet d'être un peu tranquille. Autant là, dans cette partie, je deviens folle quand je vois le nombre d'heures de sommeil qu'il est obligé d'avoir. Parce que j'ai pas le temps. Hein, la barre arrive à sa fin. On va laisser dormir un petit peu, de toute façon ça sert à rien de le réveiller en avance. Après il va être fatigué rapidement. Tant pis, il faut que je prenne mon mal en patience, comme on dit. Puis on va croiser les doigts. C'est possible, hein, franchement c'est possible, hein, mais. Il va juste falloir avoir un petit peu de chance et. Et espérer qu'Andrea sera coopératif. Parce que... Voilà, ouvrir. Attention. Bon, écoute, il y a 10h, je te lève, hein, quoi qu'il arrive. Je te préviens. À 10h, il n'y a plus de grasse mat, mon vieux. Allez, hop, debout. Oui, des spaghettis au petit déjeuner, oui, et alors? Enfin, je veux dire... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein?
Les pâtes, c'est très bon, ça donne de l'énergie pour toute la journée. Et crois-moi, tu vas en avoir besoin parce que tu attaques direct. Voilà, donc là, t'es propre. T'as fait tes besoins, t'as dormi. Donc maintenant, on se concentre sur les compétences. Qu'est-ce qu'il fait? Allez, nettoyer. Le jardin, c'est bon. Le jardin, c'est... Ah non, ça clignote encore. Voilà. Allez. Allez, Andrea, je compte sur toi. Tu portes le prénom d'un Sims que j'aime beaucoup et qui ne m'a jamais déçu. Donc, je compte sur toi pour être à la hauteur de ton prénom, mon grand. Allez, pour l'instant... Non, mais pourquoi tu t'arrêtes? Tu veux faire pipi? Va faire pipi. On s'arrête pas, là. Donc, tant qu'on n'est pas à 5, on s'arrête pas. Et me dis pas que t'en as marre des cubes, hein, c'est bon. Ah, ça suffit. Hop. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, tout est nettoyé, tout est propre. C'est beau quand même. Allez. Allez, c'est presque à 4. Après, on passe au 5. Après, on ira sur l'image. Non, mais ne t'arrête pas, mon petit, ne t'arrête pas. Oh là là là, t'es pénible, hein. Oui, je sais, t'en as marre. Trop de cubes. Jamais trop de cubes. Si t'en as vraiment marre, je veux bien que tu finisses là-dessus. Voilà, c'est un peu pareil, mais bon. C'est pas des cubes. C'est je ne sais quoi, un jeu vidéo. Allez. Oh, il a déjà sommeil, c'est pas possible. Cet enfant, c'est pas possible. Non, non, mais il faut au moins qu'il me valide. Putain, on va jamais, jamais, jamais y arriver. On est un peu en galère, les gars. On est un peu en galère. Et puis les parents servent à rien. Les parents, en fait, ils me servent juste à faire le ménage, quoi. Qu'est-ce qu'il a? Oui, bah, tu piqueras une prise une autre fois. Bon, bah, tu vas dormir, hein, de toute façon. Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Ah, je suis dégoûtée, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. De toute façon, on va le réveiller dans la nuit, hein, je vous préviens tout de suite. Mais qu'il aura récupéré un petit peu de sommeil. Il va falloir qu'il se remette au taf. Je m'avoue pas vaincue, mais... Mais ça va quand même être compliqué. Ah là 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 là. Allez, petit crac-crac. Allez, repose-toi mon petit, repose-toi. Ça monte pas vite, hein. Célébrer l'anniversaire d'Andrea, voilà. Donc, il faut que j'organise une fête d'anniversaire. Donc, il est 21h, il me reste 24 heures, un petit peu moins de 24 heures pour finir. Et en même temps, lui organiser une fête. Et voilà. Et ben, c'est pas gagné. C'est pas gagné du tout. J'ai l'impression que ça va remonte pas du tout. Non, toi tu voulais pas faire crac crac. T'avais pas envie. Bah t'avais pas envie, hein. On va pas se forcer quand on n'a pas envie, hein. Enfin, ça t'aurait fait remonter tes barres, quoi. Moi je dis ça comme ça. M'entendez. Oh là, purée. Non seulement ces barres remontent pas, mais en plus toutes les autres descendent. Allez. On fait pipi.
on mange un bout. Et on appelle sa mère pour qu'elle t'apprenne des choses pour faire remonter ta barre. Hop, ça tombe bien, elle a plus sommeil, elle a juste un petit peu faim. Et puis, bah, qu'est-ce qu'elle va pouvoir câlin, avec un des supports visuels, enseigner les chiffres. Allez. Je m'avoue pas vaincue, il reste encore plusieurs heures. Bon, et arrête de manger, toi. Voilà, tout le monde est d'accord, c'est cool. Allez. Je te préviendrai, aujourd'hui c'est Bagdad. Hein. C'est pas la peine de me dire que t'es fatigué, que t'as faim, que t'as soif, que machin. Il reste à peu près 15 heures pour apprendre 2 points et demi. Non, on reste là. Calme. Signer les chiffres. Allez hop, on enchaîne. Allez, 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 allez. Valide-moi ce point qu'on n'en parle plus. Est-ce que moi ça fait monter ta tête? Ah ben, je sais, t'as sommé. Ça qui compte, dormir, dormir, dormir. Je t'ai dit, tant que tu t'écroules pas, c'est que t'es suffisamment en forme. Allez, fini. Et après, tu pourras aller dormir quelques heures. Mais c'est tout ce que je t'accorde, hein, juste quelques heures, histoire de... J'ai 8h30, il ne reste plus que 12h. 12h, 2 points. 2 points, 12h. Allez. Non, non, tu finis, tu finis. Je m'en moque. T'es pas bien, il est pas bien, tout le monde est pas bien, moi aussi je suis pas bien. Allez, 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 allez. Puis c'est horrible parce que du coup vous avez l'impression que la barre monte pas. Bon allez, va dormir. Toi, qu'est-ce qui t'arrive? Utiliser, nettoyer. Nettoyer. Il va pas manquer grand chose quand même. Nettoyer. Toi, qu'est-ce qui t'arrive? Allez. Désherber. Tout récolter. Allez, 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 allez là. Il reste 11 heures. On y croit. Bon. Aïe, 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 bon. Écoutez, franchement, je suis pas sûre qu'on arrive à terminer, mais il reste très exactement 9 heures pour apprendre 2 compétences et fêter son anniversaire. Donc, clairement, ça va être extrêmement tendu. Je suis pas sûre qu'on y arrive. Et moi, je vous propose d'arrêter ici, hein, pour laisser un peu de suspense, tout ça. Et ben on verra la prochaine fois si j'arrive à terminer dans les temps, ce qui me paraît quand même très compliqué, et essayer au moins de prendre quelques points pour l'anniversaire. Voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse là, je vous dis à très vite pour la suite, j'espère qu'on va vraiment y arriver, je croise les doigts, et on verra bien, parce que ce serait quand même dommage de perdre des points déjà, mais bon. Hein, de toute façon, c'est de ma faute aussi, parce que dans une précédente vidéo, j'ai dit que je trouvais ça trop facile, que ça avançait super bien et tout. Enfin, j'ai eu un excès de confiance en moi, donc voilà. Je me rappelle que c'est un challenge et que, comme tout challenge, ce n'est pas si facile que ça. Voilà, on verra bien au prochain épisode. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, suivant l'heure qu'il est chez vous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.